2, 3, 4. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle. Tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne son peuple à genoux. Attends. Hey, hey, bienvenue les amis sur cette chanson de Noël, Minuit chrétien, un classique, classique. Un classique que je joue de différentes manières. J'ai déjà fait un tutoriel, je la jouais plus en rythmique. Vous allez pouvoir, pouvez le voir si vous voulez le jouer en rythmique. Mais aujourd'hui, je vais vous le montrer en finger picking. Donc aujourd'hui, je suis à capo 5. Pour le cours, vous pouvez mettre à capo pour être dans la même tonalité que moi, mais évidemment, vous pouvez changer le capot de place selon votre tonalité de voix. OK? Puis, si vous voulez la partition que j'ai faite pour le vidéo, pour le cours qu'on fait ensemble aujourd'hui, vous pouvez juste faire votre demande dans, sur mon site web. Dans la description du vidéo, il y a mon site web. Faites votre demande, puis je vais vous envoyer l'accès à mes centaines de partitions dans mon Dropbox, OK? Donc, aussi, si vous pouvez cliquer sur « J'aime » et abonnez-vous à ma chaîne, ça va vraiment m'aider à me faire connaître et aider le plus de guitaristes possible, OK? Donc, c'est parti, capo 5, installez-vous sur un C. Finger picking de balade. Donc, installez-vous sur un C. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient toujours chercher la tonique. Si vous ne savez pas c'est quoi la tonique, j'ai fait un vidéo complet sur toutes les toniques des accords de base. Okay? Tonique, c'est la première note grave de l'accord. Pour le C, par exemple, cinquième corde, troisième corde. Et tout ce qu'on fait, c'est qu'on reste sur les quatre cordes ici. OK? Juste descendre et monter. Donc, cinquième corde, quatrième. Puis chez vous, si vous n'êtes pas habitué, allez-y tranquillement. Puis voyez-vous ici, soit qu'on prend pouce, premier doigt, deuxième doigt, troisième doigt, ou moi, j'ai été habitué à faire pouce, pouce, premier doigt, deuxième doigt, premier doigt, pouce, pouce. Vous choisissez ce que vous voulez. OK? Mais pratiquez-en un, puis répétez-le pour que ça vienne naturel de faire. On va commencer ensemble le finger picking, tranquillement, pas vite. Puis chez vous, vous allez pouvoir pratiquer, pratiquer, pratiquer et répéter. Pour l'instant, après on va faire la progression d'accord avec, avec les paroles. Pratiquez juste de monter et descendre pour que vous ne pensiez plus à rien.
remarquer aussi que je suis ancré sur la guitare. Mes doigts sont sur la guitare pour que ça soit, pour que ma main ne bouge pas, que ça soit plus facile pour moi de vraiment venir pincer les cordes. OK? Donc, ensuite, on va faire un F. Le F, soit que vous le faites en barré comme ceci. La tonique vient sur la 6e corde et on fait cordes 4, 3 et 2. Par exemple, moi, j'aime bien faire mon accord ici parce que c'est facile de passer de C et juste venir faire mon F comme ça ici. La tonique, je viens de chercher avec mon pouce sur la 6e corde. Donc, c'est comme un C, mais ces deux doigts-là ici descendent de une corde. Et G. Et ce que je pourrais vous montrer aussi, c'est le B7e. Pas obligé de jouer la petite corde, vu qu'on ne va pas la chercher, on ne va pas la pincer. Okay? Fait que je fais juste mettre mes trois doigts ici. Okay? On va faire ensemble, on va commencer avec le premier couplet. Deux fois le C. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descend jusqu'à nous. Encore sur le C. Pour effacer F la tâche. Vous n'êtes pas obligé nécessairement de le faire, mais ça vient ajouter une petite couleur. Vous mettez votre petit doigt sur troisième case, troisième corde. Fait qu'on fait C une fois et C7 une autre fois. Pour effacer la tâche originelle et de son père mineur. Pour le refrain. Peuple ami, E mineur, D mineur. Donc, le D mineur sur les quatre premières cordes, tonique, quatrième corde, c'est la seule exception qu'on vient pas chercher 5, 4, 3, 2, on vient chercher 4, 3, 2, 1. Aussi lent que. Il n'y a aucun problème. Mais vous le pratiquez puis vous le répétez, puis vous l'accélérez de tranquillement pas vite. Puis pratiquez votre changement d'accord. Je fais toutes les
des accords random un peu. Pour un prochain tutoriel, contactez-moi si vous avez des questions. OK? Bye bye.